Salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est MotorX24, on va se retrouver pour une vidéo d'un jeu que je n'avais pas vraiment envie de tester mais que finalement je vais m'y mettre. C'est un jeu d'infogramme, c'est Alone in the Dark, The New Nightmare, Dark Work, Video Game développé, oui, développé par Video Game, donc je vais passer l'intro. Donc vous voyez, press start, bon, certains m'ont dit que j'avais été un peu trop violent avec Alone in the Dark, Jack is back. J'ai trouvé ça vraiment merdique, mais ça c'est mon avis, donc si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Donc on s'en fout, on va passer. Allez, bon, vous voyez, c'est déjà... Oui, bon, c'est bon, on s'en fout. Je prends Edward Kernby, le héros de la série Alone in the Dark, parce qu'en fait, j'ai pas vraiment poussé très loin. Je me suis aperçu que c'était véritablement le héros. Hein. Donc depuis que j'ai eu... Depuis que... Alors attendez, je sais plus trop. Ok, d'accord. Allez, c'est parti. Alors on avance. Donc graphiquement, c'est beaucoup plus beau que Jack is Back. Ça, y a rien à dire. Allez, attendez, on va le faire courir un peu. Ça a l'air assez malsain, même si vous voyez, les textures de décor ne sont pas vraiment au top niveau. On aurait pu penser que ça aurait été beaucoup plus beau, mais non. On a un téléphone portable, comme vous voyez, où la pluie, c'est des pixels qui tombent. C'est pas très joli. Mais bon, pour l'époque, c'est vraiment pas mal. Hein. Je veux pas dire, mais c'est... Oh là. Comme vous voyez, il est pas... C'est la nature l'a pas gâté. Vous avez vu le coup qu'il a. Bon, son téléphone portable, c'est... Il fait la taille de mon bras. Enfin, de mon bras, c'est un grand mot. Ses mains, c'est des gants de boxe. Vous voyez, sa main n'est même pas reliée à son bras. Mais bon, on va pas trop insulter parce que on est sur PS1, on peut pas faire des choses exceptionnelles en matière de game, de gameplay que je raconte, en matière de graphisme sur PS1. Donc on a une lampe, un peu à la manière de Alan Wake. Alors vous voyez, c'est notre compère, notre ami qui est dans le château, et le petit truc qui a brillé, c'était elle. Ok, donc je sais pas du tout ce qu'il faut faire parce que j'écoute pas les dialogues en même temps, ça qui est bon, hein, on n'écoute pas les dialogues. Je sais qu'il y a un cadenas à droite et qu'il fallait un code, donc je pense qu'on va récupérer le code. Oui, allez, c'est bon, on peut pas abréger cette souffrance là parce que je peux vous dire c'est une souffrance d'écouter Edward Kernby parler. Pas qu'il soit... Ok, alors, oula, droite, gauche, bon allez, ce côté là. Mon dieu. Des fois, je me demande si j'aurais mieux pas fait de tester un autre jeu. Un jeu qui est beaucoup plus sympathique à regarder que les enfants pourraient regarder. Mais non. Alone in the Dark. Seul dans le noir. Ah, on dirait qu'il y a du sang. Blood, voilà, j'ai raison. Oui, non, mais t'es con, allez. Donc, cette fois, j'ai réussi comment... Putain, tu veux pas rentrer, espèce de co... Ah, voilà. Voilà, enfin, putain, il est rentré. Alors, on va suivre le sang parce que notre ami... Notre ami Edward Kernby, je me demande s'il est pas un peu schizophrène ou malade dans sa tête. C'est quoi cette merde? Un zombie? Alors, les zombies ont toujours des armes, alors apparemment il n'a pas l'air d'être très choqué de voir un pote avec un bras arraché avec un flingue. Mais ça c'est vraiment... C'est basique, je vais vous dire. Quand le gars... Non, parce que non, il n'était pas le héros du premier Alone in the Dark. Et le premier Alone in the Dark, pour ceux qui s'en souviennent, ou qui n'ont jamais vu, c'est tout simplement le premier survival horror. Et malheureusement, je n'ai pas le droit de le critiquer, parce que oui, c'est le tout premier, et la première fois, ça ne s'insulte pas. Là par contre, vous voyez, il est en train de discuter avec un zombie qui manque la moitié du bras. Oui, bon, écoute, c'est pas que j'aime pas t'entendre parler, Edouard, mais... Allez, putain, mais j'aimerais juste pouvoir jouer pépère, quand... On peut pas faire une vidéo sans que le gars discute avec un mec qui a la gueule défoncée, un bras arraché et une arme dans l'autre. Vous faites arracher le bras, le minimum si vous lâchez une arme, vous compressez le bras. Dans Alone in the Dark, non, faut pas rêver. Le mec a le bras arraché, c'est pas grave, on va se reposer. En fait, c'est pas un zombie, hein, c'est un humain. Alors, oui, bon, il va pas me donner son arme, par contre, ça c'est... Vous voyez les gros égoïstes dans Alone in the Dark, les mecs ils servent. Non, attendez. Voilà.
On a rallumé parce que l'ambiance est quand même assez stressante pour l'époque, hein. Enfin, même si ça ne me fait pas stresser d'un peu être. L'ambiance est pas mal. Bon, ce qui est con, c'est que le personnage est assez bien modélisé. Mais alors, putain, les textes. Ah! Serait-il suicidé? Qu'est-ce s'est-il donc passé? Oh putain, oh là là, et vous voyez, alors là, un gros bug de texture, encore une fois, en re-rentre, parce que oui, il a dû se suicider, je pense. Hein? Oh putain, d'accord, vous entendez deux coups de folle, le mec est parti. Bon, écoutez, ça devait être un pistolet qui téléporte. Je vois que ça comme explication, donc allez. Notre fameux Edouard, hein, toujours à la recherche de sa copine. N'a pas l'air d'être choqué grandement, un mec avec un bras arraché qui se téléporte. C'est vrai qu'on en voit souvent dans les jeux. Alors attendez, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Alors il y a une porte. Va-t-on l'ouvrir? This door is locked. Oh putain, I have to find the key. Oh là 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 là, trouver la clé pour sauver ta peau. Tel est le. Bon. La musique, par contre, colle vraiment bien à l'univers. Hein. Ça, je veux pas dire, vous l'entendez pas. Mais la musique colle réellement bien. Alors, il n'y a pas une clé. J'ai dû louper la clé. Ça va être un truc du genre à la con, là. Le mec, il s'est téléporté en laissant une clé. J'ai dû louper ça, en fait. Où est-ce qu'il peut y avoir la clé? Ah, ben voilà! J'ai chopé la clé. Alors, il n'y avait aucune texture par terre me disant la présence d'une clé. Mais je l'ai finalement trouvée. Cette vidéo va être beaucoup plus longue, je pense, que celle que je fais d'habitude, parce que j'ai envie de commenter aujourd'hui. Et vu que maintenant j'ai, grâce aux nouvelles fonctionnalités de YouTube, je peux commenter nettement plus longtemps, poster des vidéos beaucoup plus longues, donc ça va être cool. Et la vidéo à faire les frais, c'est celui-là, New Nightmare. Bon, je pense qu'elle est sortie par contre, ça c'est. Mais bon. Oui, j'ai la clé. Oui. Ah putain, il va falloir l'équiper encore. Alors, objet. Allez. Use. Ah, voilà, vous avez débloqué la porte. Bon, oui, il y a des casse-têtes, comme tous les Alan. Ah, une boîte! Oh, bordel, une boîte! En mode. Alors, à quoi elle va servir, cette boîte? Mais, ouais, franchement. Oh là 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 là, attention, c'est GG et Robert. Bon, ils sont dans la cour, ils vont te bouffer. Oh bordel de merde, attention! C'est René, René est sorti! Oh là! Putain, ça fait vent! Ah, j'ai rien compris là. C'est quoi cette merde? Robert vient de se faire buter par GG? René est mort? Une araignée à quatre pattes? Hein? Un mix entre chien et une poule? Oh là là! Vous faire dire que l'ambiance me fait légèrement flipper. Ouais, j'ai trouvé des balles de Magnum. Est-ce que ça va être suffisant pour calmer les toutous de luxe? Mais par contre, ils sont où? Ah, ils doivent pas être bien loin. Ah non. Bon, écoutez, j'ai pas envie de voir ces fameux clébards. Bon, vous avez vu, les cinématiques sont vraiment bien foutues. La pression monte petit à petit, ce que je trouve réellement bien. Bon, il y a des ralentis, le jeu est pas neuf, ça c'est clair, c'est net, c'est précis, il y a quelques bugs. Alléluia. Oh putain! Oh Saras! Connard, t'es où? T'es où? Ramène ton cul, salope! Oh putain, mais c'est quoi cette merde? T'es mort? Enculé, ça m'a fait peur là, je peux pas vous dire, mais. Ça m'a fait réellement peur. Attendez. On va essayer de. Objet. J'ai pas de balles? Non. Oh bordel. Ah voilà. Ouais, attendez. Ah putain, c'est réellement flippant. Malsain.
On a, bon, j'ai trouvé Robert, hein, maintenant, manque plus de trouver GG. Vous savez que Alan Ladak était basé sur des zombies, mais apparemment non. Encore un chien éventré. Je trouve que, ouais, ça elle est une... Oh, encore un, mais bordel! Les gens ne peuvent pas ne peuvent donc pas accrocher leur chien. Mode putain d'enculé de ta race. Crève! Putain de fils de pute! Tu vas me laisser? Putain, mais les gens ne savent vraiment plus éduquer leurs cleps. On dirait un loup. Ah, la musique en train de monter. Bon, là, vous l'entendez pas. Ce qui est... Oh, je vais me mettre un jour à fumer avec la musique. Oh putain, mais c'est pas possible, sa mère de... Oh, mais enculé, va, je viens de... Voilà, maintenant, on va faire Tayo. J'ai tué trois chiens. La SP... La SPA est scandalisée par ce que je fais. Et putain, réellement, je commence à en avoir marre de ces chiens qui me sautent dessus, con. Je peux pas être un homme normal, tout simplement, qui vit sans se préoccuper du reste, au lieu de traîner la nuit dans des cimetières quand il pleut, et de se faire agresser par des espèces de tigres, bordel. Ah, une cinématique. Édouard, mais bordel, que fais-tu? Ah, où est notre acolyte? Chérie, la bonasse de service où qu'elle est. Bon, je peux pas. Alors que j'aille me promener. J'aime bien ce petit aspect de la lampe torche. Ah, ma copine me parle. Oui, tu as raison, je vais me taper un aller-retour pour venir te chercher. Le mec n'est pas un pigeon. Je me demande vraiment si c'est pas un pigeon, parce que écouter une blondasse grognichon pendant ça fait quoi, 10 minutes que j'ai lancé la vidéo, voire un quart d'heure, je sais pas, je suis vraiment pas les, j'ai pas de chrono. Et je viens d'abattre trois chiens, j'ai vu un mec avec un bras découpé. Et notre ami Kirby n'est donc pas chaud. Oh là là, attention, abattage à la main. Oh, ça fait quand même beaucoup de clichés film de bon alors ça. Ça fait il y a beaucoup de clichés quand même de films d'horreur dans l'Enemies Dark. Qui n'est vraiment pas pour me déplaire, parce que moi j'aime bien les clichés. Me voit-on? Oh là là. Ça, c'est un cliché du premier Alone in the Dark, parce que la première scène, c'est un monstre, le diable qui est à la fenêtre. Ça, je m'en souviendrai toujours. Et après ça, je... Enculé, putain. Un espèce d'oiseau qui est en train de bouffer GG1. Ouais, bon, GG1, GG2, GG3. Bon, ouais, par contre, les textures sont moches, hein. Ça, y a pas grand-chose. Hein? Hein? Là, par contre. Ah, nique ta race, toi! Hein? Un animal fantôme. Mais nique ta race! Bon, le gameplay est assez raide. Oh, putain, je suis mort. Putain, je suis mort. Ce gland ne recharge pas assez vite. Bon, allez. Je peux pas me... Ah, d'accord. J'espère qu'il y a un respawn juste à 2 mètres. Comme ça, je peux le fumer comme un chien. Parce que je me retape pas depuis le début. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Je ne refais pas depuis le début, hein. Allez. Allez. Oh, putain, nique ta race. Nique ta race. Je devais me lancer dans une vidéo plus que longue, et là, obligé de recommencer, donc non. Donc, j'espère que cette vidéo découverte d'Alone in the Dark, The New Nightmare, vous aura fait plaisir, que mon son est beaucoup mieux que la dernière fois, parce que la dernière fois, mon son était véritablement à chier, que j'ai ravi la plupart des personnes, parce que je sais que ça rappelle des souvenirs aux plus jeunes d'entre nous, qu'est-ce que je raconte. Aux gens qui ont joué, parce qu'aux plus jeunes d'entre nous, ils n'ont pas pu le connaître. Et donc, je vais vous dire, prenez soin de vous, à plus, et bye bye.